Bon, alors grosse coucouille, c'est bien joli de faire les essais comme ça, moteur éteint et puis pompe à essence branchée directement. Ouais, c'est bien joli, mais tu vois, et ouais, une grosse coucouille. Je me souvenais plus, mais j'ai débranché tous les tuyaux en dessous le réservoir, même le retour. Donc ça fait que bah, à chaque fois que je fais un test, et bah, le retour il se met en route, et au lieu de tomber dans le réservoir, et bah, ça tombe par terre. Donc voilà. Alors tu vois la grosse couille qui m'arrive. Là ça c'est emmerdant par contre. Hein, parce que là maintenant j'ose plus trop faire les essais parce que s'il y a une étincelle qui se fait, alors là je fous le feu partout quoi. Donc voilà. Bon, alors bah, je vais essayer de solutionner le problème. Je vais démonter le tuyau de retour au niveau du régulateur de pression principale. Et puis je pourrai reprendre les tests. Hein. Donc voilà. Après je redémonterai mon distributeur et je remonterai le tien pour voir. Parce que si ça se trouve le tien il est bon. Hein. Donc, puisqu'on l'avait changé au cas où ça serait les pompes à essence, mais enfin, au cas où bon, il y avait eu une pompe à essence foutue, ça d'accord. Hein, mais bon, après, il faudra quand même que je reteste ton distributeur pour voir s'il va ou pas. Bon, là pour le moment, j'ai mis trois petites gamelles, il faut que j'en trouve une quatrième pour mettre sur le dernier injecteur là-bas, et puis après, je fais le test. Allez, bon, pour le moment, je coupe.